Ciao tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur The Culling. Alors vous allez demander, mais qu'est-ce que c'est The Culling, The Culling, je sais pas comment on le prononce. Et ben vous prenez un Hunger Games, vous ajoutez des armes, des gadgets, et un petit peu plus de sang et d'explosion, et vous obtenez The Culling, voilà. Donc je tenais aussi à préciser que c'est en multijoueur et qu'il y a à chaque fois 15 personnes qui doivent s'affronter dans une arène. L'ennui du matchmaking. Ok les gars, c'est parti, on est dans une boîte un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? What? Alors si jamais je découvre le jeu en même temps que vous, j'ai juste fait les tutoriels juste avant. Alors apparemment, il faut commencer par ramasser des branches, ce qui me paraît plutôt logique. Par contre, j'aime pas cet endroit. Hein. C'est beaucoup trop bas, tu sais, les mecs qui me voient, ils peuvent directement venir me tuer. Ok, donc il y a le tableau des scores en haut, un peu comme dans Hunger Games, c'est pas mal. Kevin Davis. J'ai trouvé une pierre, parfait, donc maintenant il nous faut encore un petit peu de bois. Parce qu'avant j'ai fait, oh parfait. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment qu'on fait pour prendre? Ah d'accord, c'est avec deux pierres on peut faire un couteau, ça c'est plutôt pas mal. Ah d'accord, il faut des points spéciaux pour crafter différents. Ok, ouais j'ai compris. Et donc du coup à mon avis les points spéciaux ils sont près des bâtiments. Alors déjà ça c'est quoi? Ah d'accord, ça c'est le bout de la map. Faut pas y aller. Puis par contre je tenais aussi à préciser que le jeu est encore en bêta, donc what? C'est quoi ça? Ça c'est pas bon ça. Il y a un truc vert qui s'approche. Je pense que ça me tue, faut pas que j'aille dedans. Putain, c'est un peu la crise là. J'ai qu'un seul petit couteau. Oh, y a quelqu'un. Il a une putain de lance. Oh mon dieu, il y avait quelqu'un là-bas. Non. Et vas-y, et je te mets des coups. Et viens ici FDP. Il va me tuer. Et on gère quand même hein. On y est presque. Oh non. Oh mon gars, j'ai juste pas réussi. Ah putain, dommage. Franchement, on a quand même géré, on est d'accord. Putain, mec, il avait quasiment plus de vie, sa barre elle était à ça quoi. Ok, c'est parti, nouvelle partie, on a spawné au même endroit. D'accord. Au moins ça mérite d'être clair. On voit qu'on a de la chance, Un bel endroit de merde, comme ça fait toujours plaisir. Ça sert à quoi ça? Putain, c'est trop chelou. Bon, ok, c'est pas grave, moi je vais chercher des pierres, on recherche des pierres, Denis. Oh, une boîte! Peut-être y a des trucs dedans, je pense, hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, du C4. Ah, j'ai réussi ma vie, j'ai du C4, c'est tout bon. Je peux voir des ennemis là, je peux les faire péter, ça va être magnifique. On a du C4, oh, une pierre! Putain, mais je trouve tout, c'est le paradis là. Alors, on a ça, maintenant, est-ce que je peux faire. Parfait. On pourra avoir une lance, mec, une lance. Ok, j'ai une lance. Ensuite on peut avoir un blowgun, c'est quoi ça? Eh mais attends, c'est stylé de ouf. C'est une sarbacane mon gars. Est-ce qu'il y a des morts? Je suppose que les autres c'est des PGM comme d'hab. Ah ouais, ok, donc ça nous rapporte des points, ce qui va nous permettre de crafter plus de choses. Ok, je comprends. Tout s'éclaircit à présent. Moi je propose qu'on a essayé de tuer quelqu'un, ça serait déjà pas mal. Hein. Il y a un masque de trucs que je connais pas. Genre des armures, les gars qui découvrent la vie quoi. J'aimerais monter, s'il vous plaît. I'm searching any escalier, please. Là, j'aime pas trop cet endroit. Ça sent les ennemis. On renifle les ennemis là. Je ressens un petit gibier à ma gauche. Non, je suis pas sûr. Oh, on peut monter. Là, a priori, il y a rien. Il y a un tableau de score. Et il y a un coffre. Ça, c'est pas mal, par contre. Il est monstre grand, ce bâtiment. C'est un truc de fou. Oula, la porte est déjà ouverte. Ça, c'est pas bon signe. Je renifle la visite, là. Je la sens. Elle pue. Je veux juste un ennemi, s'il vous plaît. D'accord, donc là, c'est l'emplacement où quelqu'un a spawné. Il y a pas grand monde, hein. Il y a pas grand monde. On va pas se le cacher. Le jeu est dévasté. Y aurait-il une forme de vie à quelque part? Je recherche des formes de vie. Vous m'entendez? Le gars qui se fait chier, quoi. On peut y aller ou pas? C'est du verre. C'est bon, ça va aller, on y va. Oula, il s'est passé des choses là. Ah non, c'est des pierres. Je sais pas vous, mais moi je vois vraiment personne. Aucun membre de ce serveur est encore en vie. Wow! C'était quoi ça? Ah, c'était une. Oh! Désolé les oreilles, c'était une feuille. Je suis un peu en panique parce que je ne trouve personne. Je suis sûr que quelqu'un m'espionne, mais je les vois pas. Là, il y a peut-être un bâtiment avec des trucs dessus, je sais pas. À mon avis, ça a déjà été tout fouillé par les farmeurs du jeu. Et là, il y a un truc. Et il y a des arènes là-bas. On va aller là-bas et on va les défoncer. Et moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est tuer quelqu'un en C4. Après, tant que j'ai fait ça, c'est bon, je peux crever, on peut arrêter de filmer. Là, il y a des gens! Mais ils sont carrément bien stuffés. Ah bah. Oh le con. Bon bah c'était génial hein, c'était génial. J'ai absolument rien fait d'intelligent. J'ai foutu une cigale par terre et je me suis fait sauter. Et c'est tout. Vive ma vie. Et bah écoutez, on a fait deux petites actions un peu nul à chier, hein, on va pas se le cacher. Bref, sur ce, je suis désolé, la vidéo un petit peu plus courte d'habitude, mais bon, à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, allez, ciao mon les geeks.